Bonjour. Bonjour. Content de te voir. Merci beaucoup. Et moi aussi. On est tous confiants. On croise les doigts et puis on a toujours eu confiance en notre équipe nationale. Merci de nous parler un peu du message que tu voulais véhiculer concernant l'académie et les projets futurs. Nous allons bientôt lancer un système de parrainage pour améliorer donc la qualité déjà des prestations de nos jeunes joueurs et pour aussi mobiliser les partenaires extérieur. Comment tu vois, si tu veux, toute cette stratégie-là par rapport aux différents tournois internationaux qui vont être organisés avec les académies et pour préparer l'avenir? Oui, je pense que c'est primordial aujourd'hui. Créer des académies, c'est le fondement d'un football solide, d'un football bien organisé et des talents futurs pour notre équipe nationale. Oui. Et donc, je pense que c'est un projet noble, c'est un projet très, très intéressant. Donc j'espère que cela se fera avec beaucoup d'aisance. Bien sûr. Et surtout, je pense que c'est primordial de former des joueurs. On s'est servi avec l'académie de Jean-Marc Guillaume et de la SEC. Oui. Et donc, il y a eu plein de talents qui sont venus de cette académie, dont moi, dont mon petit frère, dont bien sûr. La maestro Arun Ndindan, bien sûr. Babari. Donc je pense que c'est important de créer des centres de formation. Bien sûr. Ce projet-là, je le valide entièrement et j'ai d'autres idées. Et à un moment donné, quand les choses seront plus claires, on va mettre ça en place. Merci champion. Okay. Très bon match. Merci, et puis que Dieu te bénisse. Merci. À plus, merci. Okay.